Salutations les murs, on se retrouve pour la suite du let's play sur Subnautica, me semble-t-il que nous en sommes au 41e épisode. Je me rends compte aussi que j'ai pas mal d'extincteurs sur moi là, donc je sais pas s'il y a un bug. Je vais essayer d'aller raccrocher, je comprends pourquoi j'ai galéré à éteindre le feu la dernière fois. Non, je veux pas le prendre, je veux le poser quoi, c'est à... Ah, c'est un truc de ouf. Ouais, ils m'en ont filé. Bah écoutez, hein, je vais les stocker là. Peut-être pas avec le caca. Je vais les mettre. Ouais, si, je vais les mettre là. Hein. Donc je vais déplacer ça. Donc voilà, ces derniers temps, on est allé un peu en exploration. Je vous avoue que je suis aussi retourné un petit peu dans les profondeurs. Et bien histoire de voir s'il n'y avait pas moyen de descendre avec, avec le prône et de me rapprocher au plus près avec le cyclope. C'était un peu galère, mais j'ai pas trouvé. Il faut vraiment que j'arrive à le faire descendre plus profondément parce que là c'est juste pas possible. Donc on va essayer de se refocus un peu sur, sur l'histoire. Histoire aussi... de pas faire rebugger le jeu, donc je vais aller ici. Ça fait un moment qu'on parle du message radio, donc on va aller l'écouter. Je vais prendre le Simote et me semble-t-il que vers la capsule 3, là, peut-être par là, on en reste. On avait déjà commencé à découvrir une épave ou un tronçon ou un morceau de vaisseau, donc on va y retourner après. On va écouter ça d'abord pour commencer. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ok, alors on va aller voir ça. C'est bizarre qu'il m'expose ces photos-là maintenant. Donc coordonnées, tout approximative, donc peut-être que c'est là, télécharger, code et indice, capsule. Origine de la transmission de la capsule de survie numéro 7. Un signal de détresse a été reçu de la capsule de survie 7, mais les coordonnées jointes ont été corrompues. Les dernières données photographiques disponibles ont été téléchargées et analysées. L'équipage a signalé de nombreux problèmes avec le fabricateur de bord, a coulé à 200 mètres dans une zone à faible activité écologique, origine de la transmission, à environ 1 km au sud-ouest de la partie arrière de l'Aurora. Ah ben c'est peut-être la capsule qu'on avait découvert la dernière fois, alors je vais partir vers le sud-ouest. Et puis, alors déjà je vais voir la direction que c'est. Et puis on verra si c'est celle-là ou pas, et sinon ben, on ira scruter les environs. Sud-ouest, donc là c'est sud-est. Sud-ouest. Derrière l'Aurora. Alors déjà... Welcome aboard, Captain. Au sud-ouest. Le sud-ouest c'est par là derrière l'Aurora. Donc ça se trouve c'est ce que j'avais vu la dernière fois. Je vais me placer derrière le... Enfin, derrière. Ouais donc c'est le QQ quoi. Parce que si je me mets derrière, là je peux être derrière. 1 km. Alors ça se trouve, il faudrait que je parte du cul de l'Aurora là en direction du sud-ouest et peut-être que j'arriverai à trouver ce qui m'intéresse. Donc on va essayer ça tout de suite hein. On n'a rien à perdre. Bon, peut-être la vie, mais bon, on verra bien. Ah, j'espère que ça va pas rebugger comme avec Heureusement que j'en ai pris un petit peu avant de partir. Non, je vais pas aller plus loin en fait.
Donc on va se dire que le kilomètre c'est à partir d'ici. Et je vais aller au sud-ouest. J'ai la capsule de survie. J'espère que je vais pas me faire bouffer le troufignon en allant par là. Vu qu'il y avait un Léviathan juste à notre gauche. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à essayer d'observer pour voir si on trouve pas notre bonheur. Ça je sais pas si c'est une... Désolé les petits poissons. C'est quoi cette sphère là-bas? Mon scan. 5. Un message d'aide déjà, le berceau rouge. Il y a pas mal de saletés qui m'entourent là. Ah, je vais remonter. Là, il y en a plein là. On va faire attention à la paroi. Alors c'est peut-être ce... Non, je pense pas que ce soit ce morceau. Il a une sale tête, il a des trucs verts sur lui, je sais pas ce que c'est, mais... Donc... On va analyser, ouais, c'est bien une capsule de survie qu'on cherche. Hein. Donc déjà, c'est pas ça. Au sud-ouest. Ah, je suis où, moi? Déjà, où est l'Aurora? C'est dommage qu'on n'ait pas un pointeur sur l'Aurora. Donc, hop, petite trajectoire. Je suis au nord-ouest. Le sud-ouest. On va essayer d'aller un peu plus par là. J'espère c'est pas croisé. Non, c'est pas un Léviathan là, c'est bon. J'espère ne pas croiser de Léviathan par contre. Puis là ça s'obscurcit pas mal. Je sais même pas si ces espèces là je les ai je les ai scannées. On va les électrifier. Là il y a des grosses sphères. Ah, je suis à 40. Je sais même pas si j'ai de quoi réparer sur moi. Par contre, ça où on n'a pas. On connaît pas ça là. Je vais me mettre dans un petit coin. Je vais me cacher là-dedans là. Est-ce que j'ai mon réparateur? Forcément, non. Ouais, c'est chaud là. J'ai pas de balise sur moi. Je suis à combien de distance de chez moi là? Je suis à 758 mètres. Écoutez, je vais essayer d'aller scanner ça là déjà. Puis on va bien voir ce que ça va donner. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Alors déjà il y a les plantes qu'on a récupérées de l'autre côté là, un peu plus au sud. Ok. 12 d'ancrage. Je sais pas du tout
du tout ce que c'est. Ah, il y a des trucs qui se téléportent aussi. Ah, notre capsule. Ouais, la balise, elle est là-bas. Donc c'est dans ce secteur qu'on avait découvert ces espèces de plantes. Ah bah d'ailleurs, il y a aussi ça là. Il y a des sacs gélatineux. Je vais en manger un vite fait. Ok, à 758 mètres, j'ai des sacs gélatineux. Ah, j'ai peut-être pas m'éloigné trop loin de mon vaisseau. Écoutez, je fais l'aller-retour à ma base. Et puis on revient là après pour explorer. Faut que j'aille chercher mon réparateur parce que si je m'enfonce et que je prends un coup, je vais plus avoir de simote. Donc je vais chercher mon réparateur et peut-être qu'on trouvera d'autres ressources dans le coin. Là, c'est de l'or, c'est pas terrible. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui va me péter au visage. On va faire gaffe aux plantes au-dessus. Il est là le vaisseau. Ok, donc j'y vais, on se retrouve sur place après. Ok, Mur, on se retrouve à la base au final. Alors je retrouve pas mon réparateur. La dernière fois que je m'en suis servi, c'était pour réparer le cyclope. Donc vu que je le trouve pas, bah, je vais m'en refaire un. Je sais pas où il est passé. Donc ça c'est fait. En plus j'ai vu qu'il y avait un message radio qui était revenu. Donc on va laisser l'écouter, puis on va repartir. On va repartir derrière. Peut-être qu'on aura d'autres infos sur la capsule. Live pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Okay. Ok, bah écoute, on fera ça après. Alors, quoi, j'ai un autre message radio? Non, là, ça a l'air d'aller. La capsule 13, on va s'en occuper plus tard, hein, pour les funérailles. La direction du Simote. Je vais réparer de suite. Alors, je vais enlever ma lampe torche pour le moment. Mon vaisseau, il est planqué derrière. Ouais, il est là-bas. Donc on va réparer. Ah, ça se trouve, j'ai réparé, mais je l'ai peut-être remis là-dedans. Bah voilà, quelle buse. Il était là, avec mes batteries à haute capacité. D'ailleurs, j'ai pris tout ça là. Peut-être que ça, je vais le mettre. Je sais pas combien d'énergie je suis. J'ai pris le sonar, si besoin est. Comme ça, j'en mettrai un dans le cyclope et j'en aurai un pour le simote. Hein. Je vais pas me prendre la tête, au moins, comme ça, c'est fait. Et j'avais aussi une balise. J'ai complètement zappé de regarder ici. Alors, je vais déposer des soins avant de repartir. On va se manger un morceau. Si tu pouvais me laisser monter, ce serait pas mal. Hop là. Je vais en prendre un là et là. Hop. On va consommer ça de suite. Voilà. Ça, on va le mettre à repousser ici. Hop. Voilà, ça, je peux le manger. Et voilà. Je pense que là, on est bien. Donc, je repars. Et on se retrouve là-bas.
aboard, Captain. Ok, alors nous voilà, je suis allé un petit peu loin. Enfin, je me suis pointé à 900 et quelques mètres, alors que nous c'était à 758. Voilà, donc c'est dans le secteur. Tandis qu'on a une grosse masse qui se promène là. 700. Bah, je vais reculer. Alors là, on a l'emplacement proposé de base, c'est à celle qu'on a découverte où j'avais récupéré le lit. Ah bah, elles sont là, nos sphères. Donc voilà. Alors par contre, ça, je sais pas si je l'ai scanné. Quand je t'électrocute le cucu, ça peut te dissuader de venir par là. Niveau énergie, c'est pas trop trop ça. Je veux pas rentrer, je veux accéder. Je crois que je peux pas accéder directement ici. Faut que je sois, faut qu'il soit amarré malheureusement. Ok, là c'est la batterie. Ouais, j'ai pas moyen d'accéder à la petite. Ma petite trappe là, ils abusent. Elle est là. Ah si, accès amélioration. Ok. La défense, je vais le mettre. Module. Ouais, je crois que j'ai rempli mes deux coffres. Alors, je vais aller chercher les soins de l'autre côté. Voilà. Comme ça, je vais le retirer et je le remettrai après. Ah, j'aimerais bien recharger un petit peu mon. Ah, par contre, à savoir lequel j'ai enlevé. Ok, c'est bon, ça c'est. Ça s'éclipse directement sur celui-là. En plus, j'ai laissé la lumière allumée. Alors, je vais peut-être plutôt éteindre. Je vais réenclencher ça. Donc, on va essayer de voir ce que c'est que les sphères. Ce qui serait plutôt pas mal. Donc c'est une forme indigène déjà. Donc mer. Ces étranges végétaux se rencontrent exclusivement sur les récifs profonds. Ce sont de grandes sphères membraneuses gonflées de gaz ancrées au fond marin par leur système racinaire. À ces profondeurs, il est peu probable que cela serve à améliorer l'accès de la lumière du soleil. Mais serait plutôt un avantage pour la propagation de l'espèce. Lorsque ces enveloppes atteignent une hauteur suffisante, elles éclatent, libèrent des spores qui, emportées par les courants, se dispersent aux alentours. Je sais même pas si je peux en récolter une. Je vais essayer de voir. Je vais me mettre là. J'espère que ça va pas me péter au visage. Je vais peut-être sauvegarder avant. Parce que si je tape dedans et que ça me pète au visage avec le gaz, je préfère prendre mes précautions. Ouais, ça fait rien du tout. Mais ça, je vais mettre automatiser la capsule, on s'en fiche. Ok, donc ça file rien du tout. Si je tape les racines maintenant. Ouais, non plus. Ok. Mon outil de réparation, j'en ai peut-être pas besoin. Bon, je vais reprendre ma lampe. Et puis, j'aimerais bien essayer de geler les petits léviathans là. Ah, il y en a là. C'était tendu. Ok, je l'ai déjà.
Ok. On va essayer d'explorer un petit peu le secteur. Mais je suis pas sûr que. Ok, on a un nouveau message à voir. Alors l'Aurora doit être par là. Même pas. Doit être complètement par ici. Ok, donc il est là. Alors je vais faire un petit demi-tour. Voilà. Et là je suis plein ouest. La capsule serait plus plus par là. Alors, par contre, ce qui est relou. Là, je suis peut-être à plus d'un kilomètre là. C'est un peu le problème. Pourquoi il me fait tourner là? À moins que je me fasse manger par quelque chose là, mais. Là, je me suis peut-être trop penché pour en avant. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le Léviathan là. Je vais essayer d'explorer par ici, mais. Bon, déjà, je vais réactiver ça. Ça, je suis pas sûr d'en avoir besoin. On s'en fera du titane. Hein. Moi, ce qu'il me faut, c'est absolument le chargeur de pile. Donc, je vais essayer de longer la zone là. Ça a l'air bien badass avec des espèces de gros pics. Sachant qu'il y a toujours des créatures qu'on n'a pas découvertes ailleurs. Donc, bon. Ça, faut que je réactive à chaque fois que je monte dedans, faut que j'y pense. Ouais, là-bas, on a la balise. La balise numéro 13. Ah, l'enfoiré. Ah là, on a trouvé. Ok. Ok, ça se scanne pas. C'est quoi ça? Un microscope. Super. Ok, on va rentrer là. Ok, j'ai trouvé une voiture. C'est clair que ça va me mettre très utile. Ok, nouvelle entrée. Petite voiture, ok. Casquette grise. Je peux peut-être me mettre sur la tête, non? Ouais, on va s'écouter ça une fois qu'on sera dedans. Ah, j'aurais peut-être pu scanner la... Non. Ça me l'a enlevé, j'espère que je pourrai en refaire. Alors, est-ce que je peux réparer? C'est la question qui se pose. Je vais mettre ça en 3. Non, je peux rien réparer. Je peux pas prendre de soins. Y a rien d'autre à scanner. Hein. Échantillonneur cylindrique. Ok, je prends. Je pouvais pas le scanner, mais je pouvais le ramasser. Je peux pas sortir par le hublot. Ça, je peux pas le prendre non plus. Le godet non plus. Ah bah écoutez, on va essayer d'inspecter les alentours. Il y aurait peut-être une balise. Non, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la salle de scanner, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, ils auraient pu me filer le chargeur là pour les piles. Bon, ben, pas plus, hein. On a trouvé, mais il n'y a rien de.
d'extraordinaire. Je vais prendre un peu d'amplitude et de hauteur avec le Simote. Pour essayer de voir, je pourrais peut-être même scanner. Ouais, conteneur d'échantillon. Bah, pour le moment, ça me sert pas à grand chose. Survivant, ok, on va s'écouter ça. Bah, on va pas s'écouter ça. Là, je vais m'armer. Je sais pas s'il va revenir, j'espère pas. Donc, c'est parti, on écoute. Je vais me foutre dans le petit creux là et puis on va essayer d'écouter tranquillou. I've tried everything. The analysis circuits on the fabricator are fried. Can barely manufacture the most basic of materials. Want a battery? Here, have a children's toy. Need deep sea diving equipment? Have some lab tech. Hungry? I'll turn that fruit into dust for you. I'm going forward with trial and error. I hit every button here has got to make something useful eventually. Ok, bah il était dans le bad. A priori, il pouvait juste faire les fabricants de jouets. Nous, qu'est-ce qu'on a de plus là? Ouais, il y a la petite statue là, même si c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Barre de réacteur, ouais, ok. Alors, faudrait que je me le fasse, ce serait bien. Faut vraiment que je peaufine un peu ma base en bas. Bâton lumineux, pareil, il m'en manque un morceau. Profondeur du cyclope MK2, on n'en a pas besoin vu que moi j'ai directement le 3 là. Ah non, c'est pour le cyclope, si, il me le faut, j'ai rien dit, je retire. Le cyclope, il me le faut. Pour le prone, on est suréquipé là. Après, pour le reste, c'est un peu plus dur. Cyclope à profondeur, on s'en fout. Je crois que je l'ai déjà. Générateur de bouclier, cyclope, ce serait pas mal. Bon, tout le reste, on a. Elle est passée où, là? Ah ouais, mais attendez. Si, j'y suis bien, là, mais j'ai pas eu encore. Unité de confinement pour alien, on n'a pas. Ça, il manque toujours. On va pas me dire que c'est dans la déco, quand même. Son... Ok, c'est là. Une poupée peu commune. Une poupée peu commune. Ok. Ok, bon, on s'en fera une, hein, histoire de. C'est vrai que c'est pas l'objet le plus. Plaque de coque. Ok. Ok, tout ça pour ça. Rouler jeunesse. Alors, ma capsule, elle est passée où là? Ok, elle est là. Alors, j'espère que ma base. Enfin, depuis ma base, je verrai ça. Hein. Ça, je sais pas si j'ai déjà scanné par contre. Déjà c'est une plante. Un tubercule troglodyte parsemé de yeux luminescents et photosensibles. Ses yeux peuvent en quelque sorte diriger la croissance sensiblement torsadée de ses tiges, probablement en réaction à d'autres sources lumineuses à la proximité de murs de cavernes ou à d'autres conditions environnementales. Ok, bah, je suis désolé de t'avoir tapé. Ça là, cette grosse algue, on peut pas la scan aussi, non? Non, ça a pas l'air d'être le cas. Bon, écoutez, il y a pas mal de petits trucs à faire dans le coin. On a trouvé la capsule. Moi, c'était pas celle-là que j'avais vue à la base. C'était, je crois que c'était vraiment plus un débris de vaisseau. Je vois qu'il y a pas mal de quartz à choper dans le secteur. Mais après, derrière ces espèces de grandes barres là, ça m'a l'air un peu craignos. Il y en a vraiment pas mal là dans le coin. Bah écoutez, on va s'arrêter là, on poursuivra la visite du secteur la prochaine fois, et puis on se dirigera, après si on n'a plus rien à voir, vers la capsule numéro 13. Sur ce, moi je vais essayer de me planquer dans un petit coin, ça je sais pas ce que c'est par contre. Ah mais il y a les... ah non, ça c'est rien le caillou, par contre cette saloperie, je m'en approche pas.
Là, il y a encore un truc qui, avec ses yeux globuleux. Là, il y a le truc qui hypnotise. Je sais pas si... Oh, oh, oh. Voilà, petite décharge. Je sais pas s'il me l'affiche maintenant, la... La capsule... Ah, j'ai pris tarif, hein. Je prends tarif dans le secteur. Elle est là. Alors, je sais pas si, comme je suis assez, assez proche, il m'affiche pas. On va bien voir. Je vais aller me planquer par là. Et là, j'ai pas l'impression qu'il me la... Qu'il me l'affiche. Par contre là j'ai découvert un truc. Va falloir que je répare. Donc je vais me mettre là. Sur ce, cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un... Non. Non, ils m'ont détruit mon vaisseau, j'allais réparer. Ah, les enfoirés, ils font mal. Écoutez, je vais au moins scanner ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Fragment de moteur de Cyclope, j'en ai pas besoin, mais... Et mon inventaire est plein. Je suis sans vaisseau, je suis en slip. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire à vos abonnés si c'est pas déjà fait. Je crois que là, on a une nouvelle ressource. Non, même pas, c'est du lithium. J'en ai déjà... Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, écoutez, je vais aller pleurer dans mon coin. Sur ce, ciao ciao tout le monde. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!